Marie Verlaine Souffrant et Famille, Jeanne Célestin Joinville et Famille, Woodlin Célestin, Madame Élicoeur Lamour, ses enfants, ses petits-enfants, Marjorie F. Léris, Nancy et Docteur Patrick Durosier, Myrlande Dipol, Madame Gladys Eliadin, Farah Petit, Taïna Petit, Daniel et Rémi Kabouzi, Betty Exumé, Eliette Lafrance, Bernard Lafrance, Myrlène Jean-Louis, Nadia Desources, Natacha Lalanne et Famille, Nigdi et Marie-Pierre, Noah Gabriel Augustin, Paulette Valentin Ulysse, Sandra Perpétue Ulysse, René Abelor, Marisco, Révérend Père Francky Désir, Révérend Père Sénal Normil, Révérend Père d'Orange Franci, Révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, Révérend Père Jean-Julien Ladouceur, Roosevelt Saint-Île, Steve David Félix pour son anniversaire de naissance, Valérie Pierre, Wilmine Beaupin, Yves-Rose Beaupin, Luz Jean Williamson des Ravines, Yves-Rose Beaupin pour son anniversaire de naissance, Dalandi Joseph pour son anniversaire de naissance, Marie-Kéty Aurélus pour son anniversaire de naissance. Messe de Requiem pour Adrienne Louise Choulout Guerrier, André Joseph Guerrier, André Paul, Thomas Jean-Michel Paul, Louise Elia Gustave, Denise Deschineaux Renaud, Docteur Louis-Édouard Fontaine, Elzane Pierre, Flore Pompé, Servilia Barrière Pompé, Alphonse Pompé, Yvonne Pompé, Bernard Pompé, Louis-Bernard Pompé, Jean-Marie Pompé, Les âmes du Purgatoire, Lévelle Dorval Fils, Gracieuse Louis-Jean, Adélaide Innocente, Desrameaux, Margaret Zamy, Marie-Julienne Lindor, Maître Patrick Alliance, Emanite Alexis, Olympe Hibert, Méhul Pierre, Vélène Jean-Louis, Kiss Arthur, Jean-Richard Pierre, Virgin Arthur, Chéri Pompé, Albert Barrère, Éloise Damas, Barrère, Les défunts des familles Pompé et Barrère, Les âmes du Purgatoire, Théodore Augustina, Révérend Père Clément Méhuis, Madame Anastasie Thomas, Marie Guitien Adrien, Monsieur et Madame Clément Adrien, Carmen et Marie-Claude Honoré. Bonne participation à la messe. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia! Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu nous accueille dans sa maison et nous sommes dans la joie. Dans cette messe, nous méditerons le psaume par lequel les Juifs chantaient leur joie de monter à Jérusalem
d'aller célébrer leur Dieu dans le temple. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à cette rencontre qui est la célébration eucharistique, rencontre avec le Seigneur, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tout pitié, nous fait devant. Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fait qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 à 6. Certains gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant, « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là. Et Paul et Barnabé. Alors, on décide que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. On vit alors intervenir certains membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants. Ils disaient, « Il faut obliger ces gens à recevoir la circoncision » et à observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 121.
Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu ensemble. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un, celle-là que montent les tribus du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Celle-là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Celle-là le siège du droit, le siège de la maison de David. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Acclamation. Alléluia. Alléluia. Soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 15, les 8 premiers versets. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nés et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. C'est le cri du Juif faisant le pèlerinage sacré montant à Jérusalem, allant dans le temple. C'est notre cri d'aujourd'hui, nous chrétiens, d'être ici rassemblés à la présence de notre Seigneur dans cette église pour célébrer l'Eucharistie. Oui, nous sommes dans la joie, joie d'une rencontre inouïe avec notre Dieu, joie de cette rencontre aussi avec le prochain, avec le frère, la sœur, avec qui nous louons Dieu, nous bénissons son nom. Dans la première lecture, il y a aussi cette montée. Et qu'est-ce qui justifiait cette montée des apôtres, particulièrement Paul et Barnabé, à Jérusalem auprès des autres apôtres et auprès des anciens?
Avant d'être confronté au monde païen, avant d'avoir de la résistance auprès de certains ennemis du christianisme, détracteurs, opposants du Christ, il y avait des conflits internes dans les communautés chrétiennes. Avant que les chrétiens eux-mêmes jouent une persécution qui sortent de l'autre côté, avant qu'ils jouent une difficulté dans la mission qui sortent de l'autre côté, Jean-Jésus a annoncé ça, mais ils étaient d'abord confrontés à des problèmes dans la communauté eux-mêmes. Donc on est tout côté, il y a des gens qui viennent régler, causer par eux. Tout côté, il y a des gens qui ont essayé, chercher entrée, sensibilité par eux, petit intérêt par eux. Ça fait venir une discussion qui pétait dans la communauté. Et pour résoudre le problème, non, il y a délégué Paul et Barnabé pour aller de côté. C'est là qui était vivant, près Jésus, qui était fait tout chemin ensemble avec lui. Particulièrement, Pierre, qui était établi chef collège apôtre, pour être capable de clarifier la question. C'est ça qui pourrait le conduire à premier gros rassemblement apôtre, premier gros rassemblement évêque, ancien dans l'église là, pour être capable de décider sur une matière doctrinale. Le premier rassemblement, le premier concile qui s'est tenu à Jérusalem, au seuil des apôtres, au pied des apôtres, au pied de Pierre, le chef des apôtres. Ça montre nous l'importance, frères et sœurs, pour nous chita ensemble, pour nous dialoguer ensemble. C'est ça qui arrive, chrétiens. Vous êtes à Chita pour vous réfléchir sur la question. Hein? Et toujours avec l'aide de l'Esprit Saint. Chaque fois, vous rassemblez dans la réunion, avant même que vous entamez la discussion, vous demandez lumière l'Esprit Saint, lumière la vérité, pour vous capable de conduire le peuple de Dieu dans le droit chemin. Ça montre comment il est important, il y a un problème dans la famille, il y a un problème dans le groupe. Parce que c'est mon noyé, ça a brivé, il y a un problème, il y a un autre. Il y a un problème dans le foyer entre mari et madame, puisque tout le temps nous dit, langue avec d'un pas qu'on pas modé. Il est bon, il est important, il est utile, il est agréable pour nous chita. Qui ça qui justifie que nous sommes capables chita parce que nous sommes mon? Qui ça qui fait nous capables chita parce que nous avons capacité, nous avons possibilité pour nous ouvrir nous à ça, l'autre là, l'abdi, pour nous écouter, pour nous comprendre, et pour nous chercher ensemble résoudre le problème, pour nous chercher ensemble avancer. Dès que pas gain remet, dès que pas gain écoute, pas gain compréhension, pas gain concession, aucun côté qui rassemble moun ak moun pas capable continuer avancer, continuer progresser parce que chaque moun pral gain tendance chercher faire affaire par yo, chaque moun pral agir sous bon par yo et dès lors nous pas gain collectivité, nous pas gain communauté, n'a détruit propre tête pas nous. Dans l'évangile là Jésus lui enseigner nous même message nous attendait dimanche dernier 5e dimanche Pâques là pour nous capables porter fruit faut que nous rester dans lui-même faut que nous rester dans bon Dieu lui c'est vigne lui c'est pied raisin hein? Et c'est là qui apprend soin pied raisin hein? Vigneron hein? C'est pas pâle n'importe monde qui rester collé n'importe branche qui rester collé sous pied là la baille bon genre rendement la baille bon genre fruit mais n'importe branche qui détaché de pied là l'a séché, il a ramassé, il a jeté, il a brûlé dans du feu. Et qui fruit nous de bail? Parole bon Dieu à la enseigner nous tout le temps, fruit nous de bail, c'est patience, c'est remet, c'est cœur content, c'est justice. Fruit nous de bail, c'est cœur posé, c'est douceur, c'est compassion pour ces là qui dans souffrance. C'est charité, c'est fraternité, c'est vivre ensemble, c'est être ensemble, c'est l'unité. C'est fruit ça yo comme chrétien, bon Dieu, il voyait nous al bail tout le temps. C'est fruit ça nous de bail dans journée ça et c'est fruit ça nous de bail tout temps dans la vie nous comme un signe vivant de remet bon Dieu comme un témoin vivant nous chaque baptisé nous c'est témoin bon Dieu nous c'est témoin l'évangile là nous c'est témoin la foi et Jésus-Christ dit nous si nous vivons dans condition ça pas gain rien n'a demandé bon Dieu pour nous pas joindre si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Pour la prière, nous sommes capables efficaces, pour nous capables de joindre, ça n'a pas demandé bon Dieu, ça n'a pas cherché bon côté bon Dieu tout le temps. Nous devons vivre dans remet, nous devons vivre en tant qu'apprêté collé sous Jésus, lui-même qui c'est Pierre Raisin. C'est pour bon Dieu béni, journée nous, c'est pour lui donner la grâce, pour nous capables de porter un pile fruit dans toute activité que nous avons prendre pendant la journée. Ça. Amen. Thank you.
Seigneur, mon Dieu, de ta sainte et joyeuse, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Il a fini, on en remet là.
il est vif, bon Dieu qui est dans le ciel là. Vive bon Dieu dans le ciel là. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire Ducange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts confiés à nos prières et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui sommes ici rassemblés, sur tous ceux qui prient avec nous à travers la radio et la télé, sur toutes les personnes qui ont recommandé cette messe particulièrement, ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire, nous implorons ta bonté. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un seul et même esprit, nous pouvons, nous devons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié. Le monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Nous allons manger ensemble le vrai pain qui nous unit. Dieu lui-même nous rassemble par le lien de son esprit. En mangeant le même pain, le même amour.
demeure. Nous unissons tous nos frères. Nous unissons notre Père. Tout son commun, afin que rien ne sépare les chrétiens qui ne font qu'un, en mangeant le même pain et le même amour divin. À tous nos frères, nous unissons notre Père. Voilà ta boue, il se donne. Des pécheurs, le dernier de tous les hommes, aussi bien que les meilleurs, en mangeant le même pain que le même amour divin. Nous unissons tous nos frères. Nous unissons notre Père. En mangeant le même pain et le même amour divin. Nous unissons tous nos frères. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue. Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons recours à votre protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos pressants besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers auxquels nous sommes exposés, ô Vierge comblée de gloire et de bénédiction. Regardez notre pauvre monde, bouleversé et malade. Vous connaissez nos misères et nos faiblesses. Ayez pitié de nous. Jésus vous a donné des droits sur toute l'humanité. Il vous a confié les trésors de ses grâces. Il veut par vous nous accorder son pardon et sa miséricorde. C'est pourquoi en ces heures si angoissantes, vos enfants se tournent vers vous comme vers leur unique espoir. Nous reconnaissons votre royauté universelle et nous voulons votre triomphe. Nous avons besoin d'une mère et de son cœur. Soyez la lumineuse aurore qui dissipe les ténèbres et nous montre le vrai chemin de la vie. Soyez la source toujours jaillissante où l'on vient puiser le courage, la confiance et l'amour. Soyez le lien qui unit tous les hommes et le signe de la paix. Soyez comme vous l'avez toujours été, cette mère.
de grands jours d'épreuve qui nous sauvent aux heures de péril. Amen. Ô Marie, Reine et Immaculée, triomphez et régnez. Ô Marie, Reine et Immaculée, triomphez et régnez. Ô Marie, Reine et Immaculée, triomphez et régnez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeux anniversaire de naissance à Anne-Marie Jean-Louis, Marie-Pierre Tully, Steve David Félix, Yves Rose Beaupin, Williamson Deravine, Esther Nguet, Jean Sauveur Louis, Jeanne Clairville, Michel Cazot, Mireille Marius, Ninon Joseph Michel, Sophia Laguerre, Steve David Félix, Yolande Geffrard, Wicheline Désir, Lanchel Brutus, Marie-Ketty Aurelius. Bonne journée à vous tous, bonne méditation et bon travail. Merci mon Père. Père. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Joseph, Papa, la vie d'un difficile, songez tout petit tout, ayant de sa cutie, où tes postes charpentiers, où tes combats à la vie. Saint-Joseph, Papa.